Gel douche, lemon clair aux vitamines C et E, aux extraits de citron et noyau d'abricot. C'est un gel douche qui rend la peau douce, élimine les cellules mortes sans boutons, sans taches. Alors, bonjour la famille Belinda Benz TV, bienvenue dans notre rubrique des astuces et conseils. Voilà la famille, aujourd'hui j'ai décidé de faire mon mélange des gels douche avec vous. J'utilise plusieurs gels douche et pour les gels douche exfoliants, je change aussi de temps en temps. Cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser, de vous montrer comment j'utilise lemon clair. Le gel douche lemon clair qui exfolie la peau en douceur. Oui, en douceur et à graisse à capoter et exfolie à capot vraiment en douceur et rend à capot douce et bien. Ça élimine les taches. Les peaux mortes, ça part. Ce que j'ai habitude, il y a que ça, les langos vraiment très bien que ce que lango. Peut-être 3 fois par semaine ou 4 fois par semaine. Vous allez voir à chaque fois que vous vous lavez avec toi, avec ça, pardon, ça élimine les peaux mortes et ça rend votre peau bien douce et vraiment très bien. C'est vraiment bien. Alors là, nous allons commencer. Je vais vous montrer comment moi je fais ces mélanges. Là, je vais mettre tout le gel douche dans ces récipients pour le mélanger avec l'huile. L'huile traitant, toujours des lemon clair. L'huile traitant et éclaircissant. Donc, wana pope sabiso, ponabiso, et salango, hein, et zalana éclat, quoi, pour donner de l'éclat. Vraiment, c'est ça le terme. Là, je continue. Il faut très bien mélanger le tout d'abord. Et voilà, je mélange très très bien. Vous allez voir tout à l'heure, ça va devenir liquide. Et comme le gel douche, il y a déjà de la vitamine C et E, je ne dois rien rajouter. Puisque dans d'autres gels douche qui exfolient, il n'y a pas beaucoup de vitamines. Dans ces cas, je rajoute les capsules de vitamine E. Et je rajoute même d'autres huiles nourrissantes. Ici, je ne rajoute rien. Donc, j'ai juste mis l'huile traitante et éclaircissante de lemon clair. Vous voyez, ça devient liquide. Et voilà. Donc, à côté, la famille, je vous montre l'huile de curcuma. Je vais vous montrer aussi l'huile de coco, beurre de karité et mon huile hydratante et nourrissante que je fais toute seule. Quand vous faites de mélange comme ça, des gels douche ou si vous utilisez les gels douche comme ça, mélangés avec l'huile éclaircissante, puisque là, moi, j'ai mis juste l'huile lemon, mais je sais qu'on peut mélanger avec plusieurs huiles pour vraiment donner de l'éclat, avoir deux ou trois teintes en plus. Donc, voilà. Mais quand vous avez les jets douche comme ça, la famille, faut pas utiliser ça tous les jours. Moi, je conseille, comme nous sommes dans notre rubrique des astuces et conseils, je vous conseille d'utiliser 3 fois par semaine. Donc, ces jets douche qui éclaircit la peau, qui exfolie, vous pouvez gommer la peau avec ça. Il faut utiliser que 3 fois par semaine. Donc, ça, c'est un conseil. Voilà, 3 fois par semaine. Et première fois, bien frotter partout. Vous mettez le gel douche sur le corps mouillé. Vous attendez peut-être 2 minutes. Vous frottez le corps.
vous allez rincer après votre corps et puis vous pouvez faire ça deux fois. Donc vous frottez pour la première fois, vous rincez, vous frottez encore pour la deuxième fois, vous rincez. Après avoir utilisé ça, vous n'allez pas utiliser un lait de corps qui est fort. Voilà, ça c'est comment le filet ou l'éponge, les gants que vous pouvez utiliser pour bien exfolier votre peau. Voilà la famille. Alors, si moi, quand je fais j'utilise ces gels qui exfolient la peau, je n'utilise pas le lait qui éclaircit la peau. Moi, après, j'utilise le lait ou des huiles qui nourrit et hydrate la peau, la famille. Voilà. Donc, je peux utiliser, après avoir exfolié mon corps, je vais utiliser l'huile de coco, je peux utiliser l'huile d'amande douce, je peux vraiment hydrater vraiment votre corps, puisque d'habitude, on l'utilise le soir. Hydratez vraiment votre corps avec des huiles bien, bien. Même si vous voulez rajouter le lait qui éclaircit, mettez d'abord des huiles bien, vraiment, au tienzo tomobimba et à la hydrater là-bas, puisque vous venez d'exfolier votre peau, vous venez d'agresser la peau. Alors, il faut hydrater, il faut nourrir la peau. Après, vous pouvez rajouter votre lait qui éclaircit. Voilà. Ou vous rajoutez le lait. Moi, j'utilise soit le lait Mitsa ou le lait comme ça de Garnier. Vraiment un lait simple qui va pas agresser encore votre peau. Ces gels douche exfolie, j'utilise ça 3 fois par semaine. Là, je vous montre des sortes de laits que vous pouvez utiliser. Les laits qui nourrissent mais qui n'agressent pas la peau, qui n'éclaircissent pas fort fort. Donc voilà. Et les autres jours, tout à l'heure, je vous avais montré là mon gel douche des cottages. C'est fait aussi à base des huiles, soit huile d'amande douce ou l'huile de karité ou l'huile de coco. Les autres jours de la semaine, je lave mon corps avec des gels douche simples. Jet douche nourrissant, ça peut être, moi j'utilise cottage, mais vous pouvez utiliser n'importe quel gel douche qui hydrate et qui nourrit la peau, la famille, c'est très important. Banjo ton abisso, pour son abisso, ton komi koko là, il faut que préserver en gros. Faut pas tout le temps mettre de lait ou de crème qui sont forts. Vous pouvez le mettre si vous voulez, comme moi, mais pas tous les jours, au moins 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, vous exfoliez votre peau. Vous faites des gommages comme ça et vous utilisez des huiles nourrissantes ou hydratantes. Et les autres jours, vous pouvez vous laver avec les gels douche normales aussi qui nourrissent et hydratent la peau. Ertozo son baba gel douche nabiso to tangaka. Tout le monde a vraiment que ça soit gel douche ou qu'on nourrir pour nayo ou bien gel douche ou ça qu'on hydrater pour nayo. Alors ceux qui ont pas connu bah gel douche normal comme moi là na ça il a su quoi yo ma foutre à l'anga ou ya choco ndé to bien à choco neti ou yo boy lemon traitant éclaircissant non ça les langues jourwana. Les jours où j'exfolie ma peau je n'utilise pas les choco j'utilise les huiles nourrissant et hydratant pour na ko préserver ma peau na biso et à la malam. Voilà vraiment la famille, j'espère que cette rubrique va vous aider, va vous donner une idée. Vous aussi, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Vous voyez, j'ai plusieurs sortes d'huiles qui hydrate et qui nourrit la peau. Vous pouvez pas manquer de beurre de karité à la maison. Vous pouvez pas manquer des huiles de beurre de coco, de l'aloe vera. Voilà. Là maintenant, je suis en train d'utiliser ma crème, la crème pour le corps. Voilà comme on dit les choco. Na salibi sala salalanga, mais pas, je ne pas exagérer. Donc j'ai mis le lait traitant éclaircissant des lemons clairs, j'ai rajouté l'huile lemon clair, huile traitant et éclaircissant. J'ai rajouté l'huile de curcuma, toute une bouteille de l'huile de curcuma, vous voyez. L'huile de curcuma, c'est jaune, donc j'ai rajouté. Et voilà les résultats. J'ai rajouté aussi, comment ça s'appelle, piment doux. Voilà, piment doux aussi, c'est jaune. C'est pour cela que ça donne cette texture. Donc voilà, la sali en gros, mélange nanga et je vais utiliser ça qui est 3 fois par semaine.
Attention, attention, nous qui aimons avoir une bonne teinte ou bien mettre le produit qui éclaircit, si on peut dire ça. Donc, il ne faut pas utiliser ça tous les jours, la famille. Au moins 3 fois par semaine et les autres jours, on utilise les laits qui nourrit et qui hydrate la peau. Voilà la famille, prenez bien soin de vous et moi, je finis avec ce mélange et on va se retrouver la prochaine fois pour d'autres astuces et conseils. Voilà la famille, ça c'est un mélange et vraiment, j'aime beaucoup ça. Vraiment, ça rend ma peau belle, nourrie et hydratée. Merci, à bientôt.